Salut mes papateurs et mes papateuses, bienvenue aux news de Delphi Show. Affairage d'aujourd'hui là n'est pas pimenté, hein, c'est sucré même. Donc sortez massivement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous en activant la cloche de notification avant de poursuivre la vidéo. Hey la famille Papato, à l'heure où je vous parle là, Tesco le sultan se trouve à la Macao. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce que Tesco a fait? Quel crime a-t-il commis pour se retrouver là-bas? Moi Delphine Papato premier, je vous dis tout. Dans ces temps-ci là, on ne sait pas si c'est piment Tesco fume ou bien c'est sel il fume. Peut-être qu'il allait rendre visite à Eskeli aussi, on ne sait pas. Mais il fait des vidéos bizarres avec des filles bizarres avec des fesses bizarres. Je vous montre un peu la vidéo de ce direct pour que vous compreniez de quoi je parle. Normalement ou sauvagement, rapidement ou calmement, proprement ou salement, violemment ou lentement. Si tu n'as rien fait, rien moi. Depuis que Tesco le sultan a commencé ses directs bizarres interdits aux moins de 18 ans là, les gens ont parlé, les Ivoiriens ont parlé, même la RTI a parlé, mais Tesco le sultan insistait toujours, oh, on ne sait pas s'il veut devenir acteur de pornographie. Voilà qu'aujourd'hui il a été arrêté pour dépravation des mœurs. À ce que je sache, il ne sortira pas d'aussitôt de prison. En tout cas, bonne chance, oh, on va prier pour toi Tesco. Voilà mes papateurs et mes papateuses, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. Abonnez-vous en activant la cloche de notification. À bientôt.